Salut tout le monde! Allez, on s'en revient aujourd'hui pour continuer notre exploration du troisième niveau de Shodanor. Donc, depuis le dernier épisode, je suis retourné au troisième niveau de Shodanor. Au fond de chaque donjon vous attend un Overlord. Il possède la clé pour un grand trésor. Oui, enfin bon. Ah, je vais déjà essayer d'avancer autant que je peux à Shodanor, hein. On va voir ce que ça va donner. J'ai aucune idée du nombre d'étages qu'il peut y avoir dans ce donjon. Pour ce que je sais, il pourrait y en avoir 15. Only creatures of darkness could live in a place like this. Tu l'as dit, Bouffy. Alors, bien penser à ne jamais regarder les statues en face. Il me semble que là, il y avait un... Alors, j'étais déjà revenu une première fois, et le jeu avait planté, donc j'ai dû revenir une seconde fois. Quand je suis revenu la première fois, il y avait un imp ici. Ce qui est un peu étrange quand on y pense. Alors, je vais essayer d'aller en bas pour commencer. Vous voyez, il y a un mob pas loin. Allez, on va allumer une torche quand même. On va arrêter de faire le radin. Ah merde! Ça fait... À chaque fois, je me fais avoir par cette statue là. Alors, par là, il y a un monstre, il y a un secret. Enfin, il n'y a pas de secret par là. Par contre, il y a bien cette imp. Mais qui, la dernière fois, était beaucoup plus près de l'entrée. Est-ce que ça va pas valider une quête de tuer cette imp? Je m'interroge. Je crois pas, mais je m'interroge. Si, ma deuxième quête du jeu, c'est impressionnant. Ah, il y a un monstre. Un ogre, salut poteau, ça fait longtemps. Comme dans l'idée, je vais devoir pas mal popoter contre lui. Autant je touche pas vraiment beaucoup, alors si je me contente de le caresser l'ogre, je vais pas le tuer beaucoup comme ça. Mon taux de toucher est même pas d'un sur deux, donc vous voyez, c'est pas avec ça que vous avez tué un ogre. Hein. Oh là là, le monsieur n'est pas seul. Ah.
Oh mais y a... oh mais hey, mais c'est la fête au village ici ou quoi? Trois mobs dans une salle? J'ai jamais vu ça encore. Ah mais c'est le chemin vers le quatrième niveau ici. Super. Moi qui espérais que ce soit la fin. Secrètement quand même, j'espérais que qu'on soit au bout. Ben non. Une potion de régénération, ça c'est plutôt pas mal. Mais qu'est-ce que tu fous, mec? C'est wait qu'il faut. Oh, une torche, ça c'est chouettos. Cool. Alors, des gants équivalents à ce que j'ai les gants de Kitou. Pas mal. Alors je pourrais descendre ou je pourrais aller voir ce qu'il y a là-haut. Je pense que quand ma torche va s'arrêter. Ouais, mais le problème c'est que je sais. Il y a forcément des pièges que j'ai foirés. Donc je pense que je vais descendre. Quand ma torche va s'arrêter, ce que je vais faire par contre, c'est que je vais dormir. Régène un peu ma mana. Bon, il y a encore tout ça que j'ai pas été voir et tout. Il y a peut-être du coffre, hein, il y a peut-être du loot. Il y a un secret quand même par ici. Mec, marche pas latéral si t'as pas vérifié s'il n'y a pas un piège. Ouais. J'ai plus beaucoup de vie, j'ai plus beaucoup de mana, donc dormir me semble être une idée plutôt intelligente. L'étage est nettoyé normalement. Ah, ça a pas régène la santé. Ah bon, on va dormir 4 heures, c'est pas grave. Allez, on descend. Il nous reste 5 torches donc pour attaquer le quatrième étage. Je suis vraiment curieux de savoir combien il y a d'étages. Quand vous pensez, rien que le tout premier donjon du jeu, le nombre d'étages qu'il a, le nombre d'heures que vous allez y passer, c'est impressionnant, hein, de vous dire qu'il y a tellement de donjons qui viennent encore après dans le jeu. Ah, un petit lien, j'aime pas. Ah bah, plantage, bon. Ah bah, ça commence bien. J'ai pas fait de save depuis belle lurette. Je crois pas que j'ai fait de save après avoir nettoyé la pièce en plus. Oh là 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 là, bah, il va falloir qu'on renettoie de la pièce de ces mobs. Oh merde. Ah, j'en suis sûr, j'ai pas fait de save après avoir nettoyé cette pièce. Donc, il va falloir qu'on reprenne tout ça. Ah, ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule. L'instabilité de ce jeu, c'est vraiment le truc qui m'énerve en fait. Ouais, bah oui, il a pas sauvegardé du tout en fait. J'avais pourtant sauvegardé en cours de partie, vous voyez, même la sauvegarde que j'ai faite, elle n'a pas été enregistrée. Hein. Donc on va devoir tout refaire, tout reprendre.
Tout ce que j'ai fait là, depuis que j'ai repris, bah faut le recommencer. Alors d'où il sort lui? Bon, je sais d'où il sort du coup, mais comment il a fait pour arriver là, alors qu'il était dans la grande salle au sud? Je sais pas. Touche surtout pas, tu as réussi à le buter sans popoter, lui, tout à l'heure. Alors, on a une épée. Alors, ce qu'on va faire, on va essayer de faire save game et puis on va faire quit game, hein, puisque visiblement il enregistre pas les sauvegardes à chaque fois, donc. Apparemment, le choix. Quand on va faire une sauvegarde, il va falloir qu'on quitte le fasse quit game et qu'on revienne pour voir si effectivement le jeu a bien enregistré notre save. Parce que là, il avait rien enregistré du tout, hein. En fait. Non, il a rien. En fait, quand vous faites save game, il n'enregistre pas. Il enregistre que au début du niveau où vous êtes. D'accord, donc il va falloir que je retue cet ogre. Ok. Ouais, parce qu'il me semblait bien que hier soir, quand j'avais quitté ici dans cette salle. En fait, le jeu n'enregistre que le niveau où vous. Ah, en plus, il n'a pas enregistré. Regardez là. Vous voyez ma vie et ma mana? Ils sont au niveau de ce que c'était quand j'ai tué l'ogre. Est-ce que j'ai l'épée que j'ai eue sur l'ogre? Ouais, je l'ai, cela dit. Ice Trap, Dark Sing, Heal Self. C'est pas mal. Donc en fait, j'ai l'impression que si ça a sauvegardé. J'ai l'impression que ça a sauvegardé, mais que ça a quand même conservé les loots que j'avais eus. Je sais pas claquer de torche, hein, je veux dire, voilà, parce que cette fois-ci, j'aurais pas forcément de torche en loot. Si, la torche. Je sais pas, c'est assez bizarre. Donc là, on a le imp. Yeah.
Ah bah il y a une torche, oui. C'est magnifique ça. Voilà, il s'est retenu. Die, you dog. Et par contre, là, on n'a pas eu Floor Cleared. Hein. Floor Cleared. Me demandez pas ce que c'est. Silver Knife. Bon. Là, cette fois-ci, je vais faire une save de nouveau. Bon, du coup, j'accumule un peu plus de loot et j'ai une torche de plus. Mais c'est frustrant là, ces crash. Attends, il y a une mise à jour hier. D'un giga, hein. Une mise à jour d'un giga sur un petit jeu comme ça, c'est étonnant. Ah, mais je peux pas sauvegarder. Il y a un mob à portée, à proximité. Ah oui, il est plus qu'à proximité, lui. Mais tu sais, tu peux toucher. Tu sais, toucher. Toucher. Voilà, toucher. Ah, il a carrément fait tout le tour, lui. And don't bother getting back up. Voilà, on fait une save. Joli critical hit. Du fromage, pourquoi pas. Après ce mob, je vais faire un point sur mon XP. Que là, ces temps-ci, je bâche beaucoup. Alors bon, c'est beaucoup de gobelins et d'imps, hein. C'est pas non plus absolument fou, mais... Die, you dog. Tête rétrécie. Ce sont des gobelins rétrécisseurs de tête, visiblement. Ça avance, niveau XP. Pas de loot, ok. Ah, il y a un secret par ici.
On est dans l'antre des gobelins, visiblement, aujourd'hui. Bon, ça dit, je m'en plains pas, hein. Ça vaut pas d'XP, mais au moins, c'est pas dangereux, un gobelin. En tout cas, un gobelin de Chobanor. Ailleurs, bon, les gobelins pourraient faire un peu plus mal, mais lui, non. T'as le droit de toucher, tu sais. Neuf gold. Bon, c'est vraiment... C'est ça qui est triste, c'est qu'il n'y a vraiment pas de loot ici, par contre. Hein. Je veux dire, tu gagnes 9 gold en butant un mob. C'est minable. Alors, il y a un piège pas loin. Un secret et un monstre. Bah, yon, c'est la totale. Oh, un gobelin. Bon, on va quand même aller le chercher parce que sinon on n'avancera pas. Ah d'accord. Bah voilà. C'est vraiment lamentable, hein, ces chances de toucher là. J'ai l'impression d'avoir 25% de chance de toucher, c'est vraiment minable. Cactus. Ouais, en plus ça va être un niveau qui va être juste gigantesque, comme d'habitude. Donc je le ferai pas entièrement avec mon stock de torches. Ça va être un petit peu lourdingo. Je pense que les torches, il faudrait que je les utilise que quand il y a un... Si on m'annonce un mob à proximité. Ou un piège, quoi, je veux dire, mais... Donc le piège détecté, c'est celui-ci. Ou pas, il y a aussi celui-ci, d'ailleurs. Ça, c'est de l'XP, un piège, hein, donc petit à petit, on va apprécier quand même, hein, de tomber sur des pièges. Alors, un râtelier d'armes. Donc on a que des armes enchantées là qu'on trouve en ce moment, c'est plutôt bien. Bon, c'est une dague, c'est un peu pourri. Sphère de bannissement, touché, affaiblissant, pourquoi pas. Hein. Oh, toi, je suis pas ravi de te voir, mec. Pas forcément pressé de me faire empoisonner. Ugh.
Quand tu veux, tu touches. Die on my blade, pig. Ouais. C'est pas foufou, mais bon, c'est toujours mieux que rien. On entend d'autres zombies là, de toute façon. Et on ne veut pas que les entendre, on le voit. Quel bon début dans le combat, dis donc. T'as décidé de vous toucher une fois sur cinq, c'est ça? Là, il est en mode fuite. Oh, des jambières meilleures que les miennes. Pourquoi? Parce qu'elles font piège à foudre. Avec source de soins. Je suis pas sûr que Healing Trap soit vraiment mieux. Mes jambières, elles ont combien d'armure? Actuellement. Bah, elles ont 3 d'armure. Hein. Celles-là, elles ont moins d'armure. Hein. Non? Non, elles ont 3 d'armure aussi. On va voir ce que vaut Lightning Trap. Ah d'accord. Ah oui, c'est intéressant. Médaillon de rappel. Oh, antidote. Ça, c'est bon, ça. Par contre, j'espère que ça n'a pas mis un piège au sol. Parce que j'ai quand même dans l'idée que si. Vous voyez? Non, ça va. Médaillon de rappel. Est-ce que ça me renvoie en ville? Ou utiliser dans les donjons pour se téléporter instantanément à la surface. Oh, c'est bon, ça. Ah, je vais être fan quand il va falloir aller me racheter des torches. Ouais, je vais être assez fan, là. C'est bon de savoir qu'il y a ce genre de mécanisme sur ce jeu, parce que comme c'est un jeu qui n'est pas forcément à fond sur les trucs de ce qu'on appelle qualité de vie. Minotaur. Minotaur. Bon, on va lui casser la gueule quand même. Il s'est pris le sort de foudre. Oh, le sort de foudre a l'air particulièrement violent. Hein. Oh, la vitesse à laquelle il est mort. Quatrième segment d'Ankh. Ah, est-ce que j'ai obtenu un Ankh à partir... Oui, j'ai un Ankh de résurrection. Ayez-le dans votre inventaire pour tromper la mort. Là, ça se coupe pas mal. Le tout va être de ne pas le gâcher inutilement et trop rapidement, mais bon, ça c'est encore autre chose. Là, on progresse dans ce niveau. Niveau XP, ça avance. Lentement mais sûrement. Et ces jambières, j'ai l'impression qu'elles vont... elles vont avoir un effet dévastateur. Hein. Le Minotaur, il est mort en 2 temps 3 mouvements. Littéralement. Il a rien fait. Fin de la torche. Je serais pas contre trouver un stock de torches. C'était ça que je voulais faire.
Ouais, effectivement, c'est assez violent ce truc, hein. Bon, faut qu'il me touche pour que ça se déclenche, mais tôt ou tard, ils vont me toucher. Et ça a l'air de se déclencher assez souvent en plus, hein. Oh, un disque. Un disque à sort à 7 fragments. Et là, on commence à trouver du bon loot, hein. Oh, à partir de cet étage, là, je pense qu'on a fait un. Une grosse upgrade là au niveau du loot. Je vais revenir en arrière, je vais aller là. Bien penser, ne pas regarder la statue dans les yeux. Bah, de toute façon, je vais pas pouvoir aller très loin là. Le piège vert va me bloquer. Donc. On va passer par là. Ne pas regarder la statue dans les yeux. Je m'éloigne de là où j'étais, c'est pas bon. Je vais revenir en arrière et je vais continuer. En fait, il faut pas que je m'éparpille. Il faut que je nettoie vraiment les zones comme ça. Par exemple, là, je me suis éparpillé. Je suis parti. Enfin, je suis pas éparpillé, hein, je suis parti tout droit, mais j'aurais mieux fait de nettoyer la zone, vous voyez. Bon, cela dit. Cela dit, voilà quoi. Ouais, il y a toute une zone par ici. Je pourrais aller la voir en utilisant mon antidote, hein, je veux dire, voilà. Sans le poursuivre parce que comme il se dirige vers une statue et que les statues sont pas mes amis. J'attends gentiment qu'ils reviennent. J'aurais préféré une torche, voyez-vous. Bon. Bon, on en revient à la zone qui m'était bloquée par ce piège. Ce que je trouve plutôt bien parce que ça me permet d'essayer d'être le plus exhaustif possible dans mon exploration, n'est-ce pas? 7 gold piece. Ah oui, c'était vraiment intéressant, dis donc. Oui, il me reste déjà plus que 3 torches. Il faudrait qu'ils vendent plus que 5 torches, le PNJ. Si le PNJ marchand vendait 10 torches à la fois, ce serait beaucoup plus sympa. Parce que là, quand vous êtes au fond d'un donjon et que vous êtes obligé de revenir en arrière toutes les demi-heures, alors que le donjon lui-même prend 7 ou 8 heures à se finir, vous voyez, c'est un brin. Que c'est énervant, c'est pas énervant, mais c'est un peu une sensation d'une perte de temps en fait, inutile.
C'est ça, une sensation de perte de temps inutile. D'ailleurs, c'est un jeu dont la durée de vie sera déjà colossale. C'est pas la peine de la rajouter par des mécanismes, enfin de la, ouais, de la rallonger, pardon, par des mécanismes de ce genre. Qui, somme toute, sont artificiels. Ne pas regarder la statue en face. Piège pas loin. Ouh, un ogre. Non, ah, un orque. Ah, oh, ça faisait longtemps que j'ai pas tabassé un orque, dis donc. Ah, il encaisse quand même l'orque, hein. Level increase. Oh, un success team, permadeath niveau 5. C'est un success team. Bien, bien. Zozo. Voici El Trapo, le piège. Ça fait un peu pexé. Bon, on découvre, hein, on découvre Chobamor, niveau 4, tout ça. Pour l'instant, je ne crains pas de monstres ici. Si un jour j'arrive finalement à rencontrer l'Overlord, peut-être, changerai-je d'avis. J'ai pas envie de changer d'avis, hein, je veux dire. Ça me va très bien, hein, de ne pas craindre les ennemis là. Tu peux toucher, tu peux le faire. Voilà, heureusement qu'il se suicide, parce que sinon, un livre, bon. J'aurais espéré mieux. Pas de loot, j'aurais espéré mieux. Et 4 pièces d'or. Ouais, donc là, cette salle, elle s'est littéralement foutue de ma gueule. Est-ce que j'ai pas envie plutôt de refaire tout ça? Je sais pas. De toute façon, il va falloir que je ressorte. Je veux dire, j'ai plus beaucoup de torches. Ouais, c'est mon avant-dernière torche, là, déjà. Hola, hombre. Que tal? J'optimise pas mes déplacements aussi. Là, j'aurais dû avancer d'une case pour le combattre plutôt que d'attendre qu'il franchisse ces deux cases. Oh, une torche! Alors, ça, c'est. En fait, les torches, c'est le loot le plus formidable que tu puisses avoir sur ce jeu parce que c'est ça qui définit la durée de ta session d'exploration au final. C'est le nombre de torches que tu as. Oh, un coffre. Oh, un mob. Ben, je vais déjà ouvrir le coffre. Une épée toute pourrie.
Alors, vraiment tout pourri là pour la peine. Ah, le mob est de l'autre côté, c'est encore un gobelin. Lanterne, petite potion et truc pourri. Si seulement cet hôtel il pouvait être fonctionnel, ça m'arrangerait bien beaucoup. Alors lui, c'est total suicidé lui. Ah, c'est joli tout ça. C'est joli, c'est joli. Ah, mais il fonctionne! Ouh, bah je vais m'acheter les torches tout de suite alors. Ouh là, malheureux. Donc ça veut dire que je suis loin du fond là par contre. Si on me donne un portail tout de suite, c'est qu'il y en a encore pour quelques étages. Bien, bien, bien. Fort bien. Bon, encore une fois, je ne me plains pas. Ce jeu, moi, il me plaît bien pour l'instant. Hein, j'enchaîne les heures sur ce jeu et je vois pas le temps passer. Et ça me plaît, j'ai du plaisir. C'est un jeu où vous ne faites qu'explorer, hein, ne cherchez pas autre chose, il n'y a rien d'autre à faire, mais c'est très bien. Alors, on va valider la quête des Sisymphes. Qu'est-ce qu'on a? On a des gantelets armure 3 avec Heal Self. Oui, ça, je prends. Non, c'est con, j'ai mieux, j'ai acheté des gantelets à 5 en armure. Ah! Quel con! J'aurais dû prendre les potions de soin. Ouais, gauntlet armure 3, heal self. J'ai des gantelets armure 5. Non, bah non, bah. Oh, quel con, bah oui, j'aurais dû prendre les popos de soin en fait. Ah! J'ai ruiné ma quête parce qu'en plus du coup ça, je vais le revendre rien, quoi. Bon, c'est pas grave. J'allais chez le mage. Est-ce que tu vends des trucs utilisables pour turns into a projectile? Oui, c'est ce que je cherche, mais pas sized for 5 segment disc. Je veux du 3 segment disc. Transmettez votre sort par toucher. C'est ça que je veux. Alors, j'ai plus tellement d'argent parce que j'ai acheté ces. Je me suis acheté un casque à la fin de la session précédente. Il m'a coûté 1700 boules. Alors, normalement, je dois pouvoir mettre une gemme projectile, foudre, full power. On va essayer, pourquoi pas, hein, d'utiliser ce sort. Voilà. Vous pouvez changer de sort. Vous voyez, tout en haut à gauche de l'écran, c'est indiqué. Là, on a foudre. On va essayer le sort foudre. On va voir, hein. J'ai pas encore utilisé de magie de combat parce que j'avais jamais trouvé ce qu'il fallait pour. Maintenant que j'ai trouvé ce qu'il faut pour, là on va pouvoir parler. Ouais, mec, j'ai des trucs à te vendre. Ça vaut très cher, mais il faudrait être un peu con pour le vendre. Ça vaut cher, mais il faudrait être très con pour le vendre. En permadeath, t'as une ancre qui te permet de tromper la mort. Quelque chose me dit qu'il faut pas la vendre. Bah, qui suis-je pour parler, bien sûr. You drive a hard bargain. A bargain. Bah, c'est de la merde. I've got the wares if you've got the coin. Les coins, je les ai, mec, t'inquiète. Just this once. Quite a deal. Donne-moi plus de torches. Let me check my inventory. Il y a un truc que j'ai jamais essayé, c'est quitter la boutique et re-rentrer. Non, malheureusement, il ne refait pas son stock. Je sais pas à quelle fréquence il refait son stock. Faudrait que j'essaye, je fasse des essais, des trucs comme ça. Good blade. What have you got for me? Alors, il me semble que j'ai des trucs à te vendre, toi, poteau. Ah,
Fine. Use it well. Voilà, 1300 boules. C'est quand même bien, non? Leather, iron, steel, I've got it all. Alors, tu as un plastron. Armure 6! Pou, pou, pou. Oui, ça, je veux. This is the best I can do. Use it well. I'll be here. Donc, actuellement, en armure, j'ai 17, vous voyez? Avec ce plastron. Je passe à 21. Ah ouais, le gain d'armure, il est énorme là. Good blade. I won't ask where you got this from. Donc ça m'a coûté plein de pognon, mais les flèches, par contre, ça vaut très très cher. Très 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 cher, les flèches. Ah ouais, j'ai plus tellement de pognon, mais alors là, par contre, je suis tout à fait satisfait de ce plastron là. J'ai 7 torches. J'ai un portail directement au niveau 4. Là, c'est top. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même retourner au temple des lames pour voir s'ils n'ont pas de la grosse potion à vendre. Parce que. Faut pas non plus croire que tout est easy. Attends, je vais pas regarder si tu avais des grosses potions. Ouais, on va prendre une potion moyenne de régénération. The clergy knows all. Alors on fait une save avant de retourner au niveau 4. En espérant que ça me ramène au niveau 4. Bah je n'ai pas de raison. En fait je pense qu'il n'y a qu'un seul portail sur ce jeu. C'est-à-dire que tu as plusieurs portails à plein d'endroits, mais quand tu en actives un, c'est le seul activé. Après les autres portails sont désactivés. On va bien voir si j'arrive au niveau 4. Ça fait bientôt 55 minutes que j'y suis, donc je vais surtout, dès que je vois si je suis bien au niveau 4. Je suis bien au niveau 4, bon bah c'est parfait. Bah, je vais arrêter cet enregistrement pour YouTube là, du coup. Et on revient bientôt pour de nouvelles aventures.